personnes qui me disent on aimerait bien te revoir dans une émission de télé-réalité et tout ça. Comme je vous ai dit, moi si un jour je refais une émission, c'est vraiment comme Allô Nabila, genre j'ouvre les portes de ma vraie vie. Et voilà, je fais une émission sur mon univers, ma famille et tout ça. Après, moi j'ai vraiment tourné la page là-dessus. La dernière émission que j'avais fait, c'était Les Anges en fait. Et c'était il y a très longtemps. Et je pense que dans la vie, en fait, il faut évoluer. On peut pas toujours faire la même chose. Donc moi j'aime bien l'exercice d'animatrice comme j'ai fait pour Amazon Prime. Ça vraiment ça m'avait plu. Donc là vraiment je présentais Love Island. Et du coup ça me rappelait plein de souvenirs et tout. Ils étaient tellement beaux, les candidats, enfin, tellement beaux et belles. Ils étaient tellement, tellement mignons. Mais voilà, enfin moi j'ai 28 ans, j'ai évolué et tout ça. Et je ne me vois pas à mon âge. En plus je suis maman et tout. Et je me vois pas dans une émission de télé-réalité, parce que j'ai tellement passé en fait tout ça que en fait j'aurais l'impression de revenir en arrière. Les challenges, j'adore faire des nouvelles choses. Et puis honnêtement, est-ce que vous me verrez là maintenant tout de suite à 28 ans dans Les Anges? Non, pas du tout. Pourtant c'est là où j'ai rencontré mon mari, le père de mon fils, donc j'en garde des souvenirs de malade, mais vraiment, et parfois je vois des bouts de séquences sur Twitter et tout, ça me fait tellement rire. Je pense au ski. Et voilà, c'est trop des bons souvenirs, mais je pense que dans la vie, vraiment, c'est important, il faut évoluer, il ne faut pas stagner, il faut se réinventer, il faut faire plein de choses. Moi, j'ai plein d'objectifs. Et donc, du coup, ça ne fait plus partie de mes objectifs, voilà, tout simplement. Dans la vie, il faut faire vraiment ce qui vous rend heureux. Ce que les gens pensent, on s'en fout complètement. Moi, ça va faire 10 ans que je suis connue, on a tout dit sur moi, vraiment. Je pense que je suis la personne sur laquelle on a le plus dit de choses. Donc voilà, honnêtement, ça ne m'atteint strictement pas. Moi, j'ai ma famille, j'ai mon mari, on est solide, je suis heureuse, je fais ce que j'aime. J'aurais jamais pensé en arriver là, j'ai tellement travaillé en fait pour en être là aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis fière de ce que je suis. Quand je me regarde dans le miroir le matin, bah, je suis fière. Je me dis, ouais, je suis fière, bravo. Je me félicite. Donc voilà, le reste, après, on ne peut pas faire l'unanimité. Il y a des gens qui vous aiment pas. Ben, écoute, moi, l'essentiel, c'est que je sois fidèle à moi-même. Je joue pas un jeu contre tout. Après, oui, forcément, j'ai quand même mon jardin secret. Je protège ma famille, ça, c'est une certitude. Mais voilà, par exemple, genre, on sort, je vais pas dire à tout le monde, personne ne filme parce que je sors et que je m'amuse. Non, je m'en fous de ce que les gens vont dire. Moi, les gens, ils m'aiment pour ce que je suis. S'ils m'aiment pas, il n'y a aucun problème, je respecte totalement. Vous ne m'aimez pas. Si vous m'aimez, bah, je vous aime aussi. Mais voilà, enfin, on peut pas faire l'unanimité. L'essentiel, c'est d'être fidèle à soi-même. Ne pas jouer un jeu et surtout assumer. Franchement, quand on assume, les gens voulaient qu'ils disent quoi? Oui, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce qui se passe?